Bonjour à tous. C'est une vidéo qui a été demandée. Et je pouvais décidément pas refuser parce qu'elle concerne un matériel que je... Je trouve ce matériau tellement beau. Tout ce qui est naturel, j'adore. Du coup, aujourd'hui, je filme sur la commode de mon fils. C'est aussi l'endroit le plus calme de la maison aujourd'hui. Passons au premier objet que je voulais vous montrer. Qui ne sont pas régulières. J'aime bien ces petits cordages qui donnent un aspect très... Moi, ça me fait penser un peu à une déco africaine comme ça, mais je pense que j'en trouve. L'intrigue, mais plus large sur les côtés. Là, il y a le fond. Ici, ça se rétrécit pour la l'ouverture. Les dessins sont des... J'imagine des fleurs simplifiées. Donc, ça fait des traits. Que je l'ai rapproché de moi et que vous ne voyez rien.
C'est un bougeoir en bois. J'aurais pu enlever la bougie qui est utilisée dedans. Mais du coup, c'est la preuve générale que je l'utilise pour de vrai. J'ai mis une grande bougie dedans parce que... Ah, super, elle est collée dedans. Voilà. J'avais mis une grande bougie parce que j'ai peur. Que si j'en mets une plus petite... Que ça mette du noir sur les bords. Je trouve ça super dommage. Le but étant de la mettre dehors cet été. Donc, vous avez pu voir rien faire dedans. Avec une superbe vis que j'avais pas vue. Toujours très utile, une vis. Voilà. Pour mettre vos bougies dedans. À l'intérieur, il y a le support pour pas que ça bouge. Tourne à cette lanière en bois. Oh, j'espère que le bruit n'est pas trop fort. J'ai dit une lanière en bois. C'est une lanière en corde. Qui est accrochée à deux anneaux en métal. Qui fait plutôt du bruit, donc je vais éviter de la tourner dans tous les sens. Et le tour de ce bougeoir est plein de petits morceaux de bois. Et décidément, j'ai fait du bruit aujourd'hui. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce bougeoir quand je l'ai vu. Pas été excessivement cher et dans les détails on peut s'expliquer pourquoi. Mais après, juste à cause de une ou deux, trois vis, ça va encore. Je suis très contente de mon produit. Je l'aime beaucoup. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas fait attention à, par exemple, que les machines font que des rondins bien ronds. Enfin, ils ont laissé ça comme il le fallait. Ils sont pas tous parfaits, donc ça reste naturel. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que certaines décos type nature sont d'une perfection incroyable, comme si la nature était totalement géométrique. Ça enlève tout son charme. Et là, le fait que tout ne soit pas
Symétrique, c'est super, j'adore. J'étais obligée. C'est à nouveau l'objet, je l'ai vu, je savais exactement où j'allais le mettre. C'est le fameux objet que nous femmes on craque, on ramène tout de suite. Et que monsieur vous demande, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Mais il y a toujours une bonne excuse pour tout ça. C'est pas gâché, c'est pas vrai. Que certains aiment le tracé sans les ongles, mais j'espère que sur le bois c'est bien aussi parce que j'aime bien le bruit que ça fait avec les ongles. On dirait des neuvaines. Quitter un emploi qui ne me convenait plus. Et comme je me retrouve à être à la maison, j'aimerais être plus disponible pour ma chaîne ASMR. Car j'aime vraiment la communauté. Et je veux vraiment m'impliquer dedans. C'est important de prendre des choix dans sa vie. Moi, je sais que j'étais mal à mon travail. J'y allais vraiment juste parce qu'il y a... Et vous savez, vous connaissez, il faut une rentrée d'argent. En fait, une fois, ça fait une famille, donc il faut assumer derrière. Le problème, c'est que j'ai accumulé beaucoup de stress et de colère. Il était temps que ça s'arrête. J'ai envie d'avoir aussi, moi, un côté plus passionnel dans ma vie de tous les jours. Il faut penser que votre travail, c'est la moitié de votre temps dans la vie. Donc si c'est pour faire quelque chose que vous n'aimiez pas, des fois, il vaut mieux se poser les bonnes questions. On n'a qu'une seule vie. Ne l'oubliez jamais. Elle en vaut la peine. Comme ce bougeoir que votre conjoint pense que c'est une mauvaise idée. Vous êtes sûr que si ça va aller. Enfin, pour ce bougeoir, ça ne concerne que mon idée. Si ça se trouve, vous n'aimez pas. Mais moi, je trouve qu'il est plein de trucs comme ça. Quand je le touche, ça me fait un peu des...
prochain objet est un objet que j'ai piqué à mon fils. C'est un avion, c'est un puzzle. Donc ce sont des puzzles en bois. Que je trouve très mignon. J'en ai plusieurs. Et si certains vont dans ce magasin. À leur place. J'adore le bruit des blocs. Du coup, je triche, mais je l'ai déjà fait, donc je connais. Je dois bien le faire au moins. Allez, une fois par tous les deux jours, on va dire. Allez. Petit avion rouge avec des ailes jaunes. Des ailes jaunes aussi. Sur comment s'appelle cette partie de l'avion, mais en tout cas elle est orange. Manger de ce gâteau pour faire plaisir à mon fils. Donc, il est très mignon parce qu'on peut changer les bougies de place. Bien sûr, il y a d'autres chiffres qui viennent avec. Mais c'est bientôt les 2 ans, mon fils, alors. Enfin, bientôt. Plus proche de ses 2 ans que de ses 1. J'aime bien l'idée qu'ils puissent les remettre à leur place. Ne vous inquiétez pas, on va pas jouer à la dinette. Et toutes les parts se séparent. Sur son petit plateau de présentation.
pense que les jouets en bois, c'est très bien pour les enfants. Plus écolo, plus responsable. Mais je vais citer une grande humoriste quand je vais dire ça. Mais quand j'ai commencé à offrir des jouets en bois à mon fils, j'ai compris qu'il les préférait comme projectiles plutôt que comme jeux. Donc, disons qu'ils ont un inconvénient, c'est plutôt lourd. C'est très joli, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est pas responsable avec ça? J'espère que cette vidéo vous aura donné plein de tingles, 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 tingles. Je vous remercie de vous détendre avec moi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma